transmet justement cette chaleur dont on a beaucoup besoin en ce moment. C'est Anna Guézard-Boicaz pour les rendez-vous d'Anna. Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. D'Anna. Bonjour Anna, rebonjour. Bonjour, rebonjour mesdames et messieurs. Toujours un plaisir d'être avec vous sur les ondes de France Maghreb. On peut plus se passer l'un de l'autre maintenant, ça y est. Absolument, hein, absolument. Ouais. De loin quand même, parce qu'avec les trucs qui circulent, les microbes, les machins, on fait gaffe quand même. Hein. Alors Anna, tu nous as ramené une invitée incroyable. Oui. J'ai envie de dire. Absolument. Elle a fait ce que des milliers, voire des millions de personnes à travers le monde rêveraient de faire. Ne serait-ce que poser les pieds sur la Terre Sainte. Alors, la fondatrice de l'association Peace and Trip, une association apolitique qui a pour objectif de développer un tourisme solidaire arabe de masse en Palestine. Franco-tunisienne, elle a décidé de quitter Paris, mesdames et messieurs, pour aller vivre en Palestine. Madame Aïcha Adari est avec nous aujourd'hui et c'est mon invitée dans les rendez-vous d'Anna. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bienvenue. Merci. Aïcha. Aïcha. Voilà, bien sûr. Le couscous au poulpe, c'est bon? Ouais. Enfin, du couscous, mais pas du poulpe. Ah, d'accord. Bah, moi aussi. Voilà, voilà, on va commencer bien cette émission. Moi aussi, j'aime bien le couscous, j'aime bien le poulpe, mais pas les deux en même temps. Voilà. Bon, alors, c'est pas pour parler du couscous, évidemment, que vous êtes là. Oui. C'est pour parler de cette association, chère Anna. Exactement. Mais la première question qui nous traverse l'esprit, Aïcha, c'est quel est l'élément déclencheur, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la vie à Paris pour aller vivre en Palestine? C'est une bonne question, tout le monde me la pose et j'ai pas forcément de réponse. Et je pense que j'ai simplement pris la décision un jour de la visiter. Mmh. Et à partir de là, il y a eu un déclic et mon cœur s'est ouvert à ce pays. Enfin, je pense que je dis souvent que c'est la Palestine qui m'a retenue, c'est pas moi en fait qui suis restée, c'est elle qui m'a retenue. Mais tu aurais pu vivre dans n'importe quel autre pays au monde. Ouais, pourquoi vrai. Tu as choisi spécialement j'ai la Palestine? J'ai pas choisi. C'est vrai, je visitais beaucoup de pays. Je voyageais beaucoup avec ma fille depuis qu'elle a 3 mois. Ma fille, elle voyage partout avec moi. Mm-hmm. On a sillonné l'Asie, l'Afrique. On a voulu. Ça fait longtemps que vous êtes revenu d'Asie là, parce que le Corona. Hein, je dis ça, je dis rien. Non, ça fait plusieurs années déjà. Ah bon, d'accord, ça va. On est tranquille alors. Ouais, non, on a vécu des moments un peu tragiques dans notre vie. On a perdu un enfant et ma fille, elle avait 3 ans. Ouais. Divorce, voilà. Puis elle voyait plus trop sa famille. C'était un moment. J'ai pris les voyages comme une forme de thérapie parce qu'elle a commencé à rencontrer quelques médecins, mais je voyais que ça marchait pas et que ma fille était quelque part en danger parce que elle avait besoin de sortir de tout ça et je savais pas comment faire. Et j'ai utilisé les voyages comme une forme de thérapie. J'ai beaucoup lu avant, j'ai beaucoup. Et puis moi, je suis une passionnée des voyages et des cultures. Donc, je me suis dit, je vais emmener ma fille. Et on a commencé très tôt. Et on voyageait beaucoup jusqu'au jour où elle a commencé à s'émerveiller, en fait, devant des paysages. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'elle commençait à guérir, entre guillemets. Mmh. Et puis, un jour, il y a eu la révolution. Il y a les révolutions arabes. Et alors, on s'est dit, bon, on va faire quelques pays arabes avant que ça soit impossible. Et puis, on s'est retrouvés en Jordanie. Beau pays, magnifique. Très beau pays. Ah oui. Ouais, ouais, très Petra, beau pays. Tout ça. On a fait la mer morte. La route des rois. Ouais. C'est plutôt la route des prophètes, hein, mais on a fait la route des rois. C'était extraordinaire. Et puis un jour, on s'est retrouvés après 3 jours à Jérusalem. El-Quds. Ouais. Et franchement, ça a été révélateur. J'y suis restée, j'ai pas bougé en fait. Je suis restée dans la vieille ville. J'ai commencé à rencontrer des gens, à discuter avec les commerçants, à comprendre la vie. Je vais devoir t'interrompre parce qu'elle va nous raconter toute l'histoire. Beaucoup pourraient te dire que c'est un petit peu quand même dangereux d'aller d'emmener sa fille ou ses propres enfants dans un pays à risque. C'est un pays Alors, qui est en guerre C'est un pays où il y a un conflit dans la bande de Gaza. La bande de Gaza, elle est complètement détachée de la Cisjordanie. Mmh. Déjà dans un premier temps, elle est détachée de Jérusalem. Il y a quand même à peu près tous les ans 4,5 millions de touristes qui visitent le pays. Donc c'est que quand même le pays offre quand même un minimum de sécurité. Donc malheureusement, j'aime pas le dire, mais c'est vrai que c'est pas nous qui sommes concernés par l'insécurité, malheureusement. Ce sont la population palestinienne qui sont confrontés à l'insécurité au quotidien. Mais nous, en tant que touristes, les gens qui viennent visiter là-bas, ils partent dans les lieux touristiques, dans les lieux culturels aussi. Donc ils sont pas exposés dans les camps de réfugiés, par exemple, ou ils sont pas exposés là où il y a des affrontements avec les soldats ou avec les colons. Mmh. Donc vous êtes en Cisjordanie?
Oui, d'accord. Je vous rassure. On entend parler que dans quelques quartiers de différentes religions et cultures, ils cohabitent ensemble. Il y a des mariages, etc. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est, tu vois, Hanna, ça. Moi, j'étais comme la plupart des gens. On a grandi un petit peu dans des familles où on est un peu éduqué conflit israélo-palestinien, etc. Et c'est vrai que, alors, je vais vous dire deux choses moi qui m'ont surprise quand je suis arrivée là-bas. Mmh. Très sincèrement, pour, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, il faut reconnaître quand même, moi je trouve qu'en Israël, quand même, c'est vraiment le pays où les religions peuvent cohabiter. Je veux dire, il n'y a pas de problème de voile, il n'y a pas de problème de burkini là-bas, il n'y a pas de problème. Chacun peut, même dans les rues d'Israël, s'arrêter aux heures de prière, prier sur les trottoirs, ça ne choquera personne. Parce que tout le monde le fait, qu'on soit juif, chrétien ou musulman. Alors, ça, c'est la première des choses qui m'a étonnée, de se sentir libre, en fait, de pouvoir se balader sans être regardé. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, au-delà de ce qu'on peut entendre dans les médias ou de ce qu'on peut lire dans les articles de presse, bah, c'est que la population cohabite. Enfin, tu vois, tu as eu cette émission il y a quelques jours avec l'émission. Oui, la fondatrice de l'association Safe World Peace, Madame Fadia Otte. Voilà, qui parle de coexistence. Et moi, je la rejoins là-dessus, mais la coexistence, c'est pas la cohabitation. Et c'est deux choses différentes, en fait. Mais j'ai remarqué qu'à Jérusalem, en tout cas à Jérusalem et dans les territoires israéliens, il y a cette cohabitation entre les peuples. Et j'ai rencontré beaucoup de familles musulmanes, des Palestiniens qui sont mariés à des femmes juives, des femmes israéliennes. Alors ça ne veut pas dire qu'après, au niveau de la société, administrativement, il n'y ait pas de discrimination. Parce qu'il y a des formes de discrimination, il y a des personnes qui se retrouvent un peu en marge des sociétés, de la société. Mais ça existe. Il y a des personnes qui se marient entre eux. Moi, j'ai fait la fac à Jérusalem, où j'ai appris l'hébreu, j'ai appris un petit peu. Il fallait que je me familiarise avec la société, parce que bon, voilà, j'ai affaire moi aussi à l'administration israélienne, au checkpoint et tout. Donc, j'ai besoin de communiquer dans une langue qu'ils connaissent et que je puisse comprendre également. Donc, à l'université, il y a des Palestiniennes qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de forme de communautarisme, qu'elles ne sont pas ensemble, etc. Ça ne se mélange pas beaucoup, certes, mais ça existe. Mais beaucoup quittent la Palestine ou tentent de sortir du pays pour aller vivre ailleurs, pour aller vivre dans des pays plus ou moins de sécurité. Mais comment les gens réagissent à ton histoire lorsqu'ils découvrent que toi, tu viens d'Europe, tu viens de France pour vivre là-bas? Alors, il y a deux choses. Les Arabes israéliens, c'est-à-dire les anciens, entre guillemets, Palestiniens, qui vivent en Israël et qui ont ce titre de séjour entre guillemets ou la nationalité israélienne, eux ne cherchent pas à partir parce que ils sont quand même bien lotis en fait. Le système israélien, il est un peu à l'image du système français, donc il y a des sécurités sociales, etc. En revanche, les Palestiniens qui vivent dans les territoires palestiniens en Cisjordanie, derrière le mur de séparation, ouais, effectivement, pour eux, c'est un peu surprenant de me voir débarquer comme ça en me disant mais attends, nous on veut sortir d'ici, toi tu veux entrer. Oui. Donc, ouais. Et comment ils réagissent? Est-ce que C'est surprenant. Qu'est-ce qu'ils te disent là-bas? Alors, ils me disent beaucoup de choses. Alors, la première des choses qui les surprend et auxquelles ils commencent à s'habituer avec nous, parce que maintenant, on ramène de plus en plus de touristes musulmans qui ne portent pas le voile, c'est le voile. Pour eux, c'est perturbant de voir une musulmane qui ne porte pas le voile. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où on a besoin, les Palestiniens, c'est troublant pour eux d'avoir affaire à une musulmane qui te dit « je ne porte pas ». Est-ce que ça a été facile pour toi de t'installer là-bas en... Non, ça a été très difficile. D'abord, je me suis installée dans un pays que je ne connaissais pas. Je ne connais pas les sociétés, ni la langue d'ailleurs. La langue, c'était pour moi très compliqué. Je communiquais en arabe tunisien, donc je ne te raconte pas un peu les... parfois comment ça pouvait être compliqué. Compliqué, c'est parce que parfois on dit, bah, tu sais, comment ça se passe un peu dans les langues. On dit souvent des termes grossiers sans le savoir. Et voilà, bon, il a fallu apprendre. Bon, tant mieux, si tu les comprends pas. Non, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui les disais, je choquais pas mal de gens en fait. Mais non, il a fallu tout apprendre, la culture, les mentalités. Il a fallu aussi que je me fasse accepter par la population et par mes amis, en fait, des gens qui sont devenus aujourd'hui des Israéliens qui sont devenus des amis, et aussi par la population palestinienne, parce qu'on suscite toujours le doute. Je veux dire, la Palestine, c'est un pays où, on te regardera toujours comme on doutera de toi, tu vois. On ne sait pas ce que tu viens faire ici, tu parles plusieurs langues, donc on me prenait au début pour une espionne, on me disait, ouais, tu viens ici pour prendre des informations. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire... Peur physiquement de quelqu'un, de te dire, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis venue? Non. 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 Sincèrement, jamais.
Mais à plusieurs reprises, j'ai eu des coups de fatigue où j'avais envie de tout remballer, de partir. Mais, Lorsque tu fais des va-et-vient, par exemple, ici en France, tu retournes parce que tu es franco-tunisienne aussi. Oui. Est-ce que tu as peur de t'attirer des ennuis, par exemple ? Non, j'ai pas peur, mais je me suis attirée. On a eu quelques soucis en Tunisie. J'ai reçu des menaces de mort parce que voilà. Des menaces de mort. Ouais, des menaces de mort parce que les gens n'acceptent pas. En fait, ils veulent pas que j'encourage le tourisme arabe en Palestine parce que pour beaucoup, c'est encore une forme de normalisation. Voilà, on revient toujours à ça. Mm-hmm. Mais ça me fait pas peur en fait. Mm-hmm. Ça me fait pas peur. Alors, ton association s'appelle Peace and Trip. Ouais. Pourquoi tu l'as créée et dans quel but? Alors la première raison pour laquelle j'ai monté, alors au début quand je suis sortie de Jérusalem, j'ai décidé de monter l'association Peace and Trip, mais pas pour venir m'installer. C'était à la base pour créer 3 postes mm-hmm. pour 3 Palestiniens qui souffraient en fait de pas avoir d'emploi, qui souffraient de pas pouvoir payer leurs dettes, etc., de vivre tout simplement. Oui. Donc j'ai monté l'association pour encourager les gens. J'étais pas du tout dans le tourisme, hein, je me suis professionnalisée que bien plus tard. J'ai simplement voulu leur prouver que si on arrivait à encourager un tourisme arabe, ça pourrait changer la vie des gens là-bas. Mmh. Parce que ces Palestiniens qui étouffent économiquement, qu'est-ce qu'ils finissent par faire? Mmh. Bah, par quitter le pays et venir chercher... venir se réfugier ici en France mmh. ou en Europe ou ailleurs. Donc j'ai voulu montrer qu'en encourageant le tourisme, on peut créer de l'emploi et on peut gagner de l'argent. Donc j'ai monté ce premier groupe. Et en 2 semaines, ils ont chacun bénéficié d'une très grosse somme d'argent. Ils ont été assez contents. Donc, c'est à partir de là que c'est parti. Belle histoire, en tout cas, que vous découvrez dans les rendez-vous d'Anna sur France Maghreb 2. On va tenter une liaison avec Gaza, si vous permettez. Ah. Raja est avec nous. Bonsoir, Raja. Raja. Allô. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, je crois que Raja ne parle pas français, donc Anna, il va falloir que tu m'aides. Voilà. Ok, avec plaisir. Alors, vas-y, je t'en prie. Massanour, Raja, qui fait? Alors, Raja, c'est une auditrice qui me suit à chaque fois, qui suit mes émissions et qui a vu l'annonce, au fait, comme quand on recevait Madame Aïcha. Et elle a voulu intervenir. Elle est à Gaza, en Palestine. Qui fait Raja? Shuraik fait Madame Aïcha, elle est terkit France hon ou rahet tiskon hnak be Palestine. Tu penses quoi de Madame Aïcha qui a quitté Paris, qui est partie vivre en Palestine? طبعاً يعني من وقت ما أنا حكيت عنها وفتت على يعني عملت جوجل وفتت بقرأ عنها إنه وبشوف الصفحة تبعها إنه كيف ممكن تركت كل الرفاهية اللي هي فيها بفرنسا أو بتونس وإجت هون لعنا لفلسطين حتى تعيش معنا المعاناة تبعنا لحتى تشعر بالشعور اللي نحن عايشينه هون وفضلت إنها تعيش بفلسطين قديش حبها لفلسطين إنه إشي كبير فهذا قديش بيوضح لنا انه العالم يلي برا فعلا انه هي بتحب فلسطين وبتحب الفلسطينيين ودائما مادة ايدها لإلهم وعلشان هيك انا راشا انا I'm gonna translate يعني راح كل مرة اعمل je vais traduire c'est que Raja oui ça c'est traduit laisser un affaire non. Raja a dit qu'elle a beaucoup de respect, elle a googlé le nom de notre invité, de Aïcha. Moi je suis perturbée parce qu'il y a Aïcha qui pleure à ma droite et elle est très émue. Donc Raja a dit qu'après avoir googlé le nom de Aïcha, qu'elle a vu ce que c'est que son association et ce qu'elle fait pour les Palestiniens, le fait qu'elle a quitté la vie avec toutes ses avantages ici en Europe, en France, et qu'elle soit partie en Palestine pour les soutenir, c'est qu'elle les comprenne et qu'elle ressente un petit peu leur douleur, leur peine, et que c'était très très émouvant pour elle. C'était flatteur, c'est un honneur pour eux en tant que Palestiniens. Voilà. Aïcha, vous parlez l'arabe? Oui. Oui. Hello, Raja. Ahlan, habibti, Aïcha, kifek? Alhamdulillah, tamam, kifek enti? الله يسعدك يا رب أنا فخورة كثير كثير فيكي فخورة جدا والله أنت العالم يلي مثلك بتقصوا بالعين صدقيني شكرا elle dit qu'elle est elle lui dit qu'elle est très très fière d'elle. Ouais. Alors qu'est-ce que ça vous fait Aïcha quand une habitante de Gaza vous parle de fierté, vous dit qu'elle est fière de vous? Bravo Aïcha. Je suis très touchée, j'ai pas les mots en fait, je m'attends pas à ce que les gens
témoigne de ce genre d'affection ou de ce genre de remerciement, parce que c'est tout naturel. C'est tout naturel, en fait, ce qu'on fait. Et encore, on ne diffuse rien de ce qu'on fait en réalité sur les réseaux sociaux. Mmh. Mais on intervient dans beaucoup de familles. En fait, on crée de l'emploi pour montrer que le secteur du tourisme, c'est un secteur d'abord qui est très pacifique et qui peut générer de l'emploi, qui peut permettre à ces gens de vivre, en fait, sur leur terre et de promouvoir l'amour de cette terre-là à travers... Et puis, ça leur fait plaisir. Notre rêve ici, je pense que Céline est pareil, c'est d'aller fouler cette terre de Palestine. Effectivement. Ouais. C'est... Moi, il y a une question qui... Je voulais savoir si tu étais militante ici quand tu étais en France, avant, tu vois, sur la cause palestinienne, ou si c'est vraiment au fil de tes voyages que tu... Moi, je suis militante depuis l'âge de 10 ans. Ma toute première manifestation a eu lieu quand j'avais 10 ans. J'ai d'abord milité contre la dictature en Tunisie. Mm-hmm. J'ai milité ensuite beaucoup pour la Palestine. J'ai écrit beaucoup de poèmes. J'ai milité au sein de mon lycée. J'ai milité ensuite contre la peine de mort. Donc je suis une militante, en fait. Une militante de la première heure, on va dire. Peut-être une petite question à Rajar, Anna, avant de la quitter, pour lui demander comment ça se passe en ce moment à Gaza. Quelle est la situation? Est-ce que c'est calme ou ça continue d'être agité avec, évidemment, une agression perpétuelle, j'ai envie de dire, depuis de nombreuses années maintenant de l'agresseur israélien? Ok. Moi, je suis complètement. Racha, elle مقدم البرامج بيسألك كيف الجو هناك في فلسطين يعني في القطاع بعد التصعيد اللي جرى آخر الوقت يعني آخر الأيام. فينا نقول الحمد لله رب العالمين في هدوء يعني نسبيا حاليا, ولكن اليوم كان في فاجعة كبيرة كثير 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 في قطاع غزة. والحمد لله رب العالمين لحتى الآن بعض الضحايا شغالة, وأنا بحكي معكم والحدث لساته شغال لحتى هلأ. لا هلأ في قصف يعني, وإحنا بنحكي معك في قصف عليكم حاليا؟ مش قصف, ولكن اللي صار عنا انفجار كبير في مدينة كاملة. Pendant qu'elle nous parle, Racha, il y a une grande explosion qui a eu, il y a des magasins qui ont été brûlés, mais elle continue à dire Alhamdoulilah, elle remercie le ciel, elle remercie Dieu, ils disent qu'ils sont forts, qu'ils survivent, quoi. Bravo, en tout cas, tu la salues bien de notre part. Racha, shukran ktir, merci, thank you. Ana ma'akoum, ya Racha. Habibti. Allah yahfazkoum. Merci beaucoup, shukran, merci. Merci. À bientôt, voilà, Gaza. Aïcha. Gaza, toujours sur les bombes. Je voulais rapporter une petite touche d'humour sur Gaza, parce qu'il faut toujours un peu d'humour un peu à ces histoires et au drame, en fait, des gens. C'est que c'est quand même un lieu qui est vachement bien sécurisé, là, par rapport au virus. Ah oui c'est par rapport au coronavirus. L'avantage, c'est ça, effectivement. Ça, c'est un humour qui nous vient de Gaza, puisque les Gazaouis disent, mais nous, ça fait plus de 14 ans qu'on est en quarantaine. Et qu'on a fermé les frontières. Du coup, nous, on est prison à ciel ouvert. Qui avait dit ça? Nicolas Sarkozy. Ah oui. D'ailleurs, toi, oui. Pour pouvoir retourner là-bas, tu devais retourner dans 3-4 jours et tu ne peux pas maintenant. Non, pour l'instant, on va attendre. Hein. Il faut que tu passes 14 jours dans un lieu qui n'a... Il faut que j'aille là où... Voilà, pendant au moins 14 jours. Pour s'assurer en fait qu'on a pu. Ouais, mais de toute façon, là même tous nos groupes, nos départs, nos séjours, tout est annulé. Tout est annulé, ouais. On continue dans un instant, ma chère Anna. On se met la pub vite fait et on termine donc avec notre invité ici. On promotionne le voyage, le tourisme en Palestine. Oui, c'est possible. Oui, on va le faire et oui, on va partir avec elle. Aïcha, tu nous emmènes dans tes valises? Parle pour toi, Christophe. Non, je plaisante. Non, moi j'y vais, moi j'y en vais Palestine. Aussi. On va faire notre djihad là-bas. Non, ouais. Arrête de dire ça. Non, mais notre djihadness. Attention. Quand je dis djihad, pour traduire aux gens, parce qu'il y en a qui peuvent mal l'interpréter, c'est aller faire le bien vis-à-vis de soi. Et donc le bien vis-à-vis de soi, c'est d'aller en Palestine. À tout de suite.
Le grand forum sur France Maghreb 2, on est en plein cœur des rendez-vous d'Anna, les amis, avec Anna Guézard-Boicaz et son invité pour nous parler de voyage en Palestine, du tourisme de voyage en Palestine. Aïcha Hadary qui est avec nous. J'avais une petite question, Aïcha, au vu de ce qui s'est passé dans l'actualité récente. Comment vous expliquez justement le choix du peuple israélien concernant Netanyahou qui, a priori, s'en est plutôt bien sorti? Ouais, et pourtant plusieurs fois inculpé. Ouais, c'est assez surprenant, mais ouais, c'est une population qui est nourrie sur la peur, hein, donc c'est terrorisé pour mieux régner, c'est tout. Hein. Moi, je connais beaucoup de. Je parle dans tous les pays, on a toujours des gens qui feront partie de l'extrême droite, mais j'en connais beaucoup, moi, en Israël, qui sont pour la paix, qui en ont marre en fait de cette situation. C'est la majorité silencieuse. Sûrement. Ouais. Et puis il y a un réveil des jeunes, de la nouvelle génération qui veut cesser en fait cette guerre, qui veut. Et la plupart des gens en fait qui sont encore dans l'armée et qui viennent, ce sont des gens, des juifs en fait qui viennent d'Europe, des États-Unis. Vous savez qu'à Hébron, qui est la seule ville palestinienne qui est occupée de l'intérieur, la plupart des colons sont français. Ils sont rudes, hein. Est-ce c'est violent. La question est peut-être un peu non pas hasardeuse, mais peut-être utopique. Mais est-ce que la paix est possible dans cette région, dans cet endroit du monde? La paix, bien sûr qu'elle est possible, mais elle sera possible. La paix, elle est mise à l'épreuve par le politique. La paix, elle est possible parce que la population le prouve tous les jours. Il y a des mariages mixtes, il y a des amis juifs et palestiniens. Justement, Aïcha, toi, ton but n'est pas uniquement de ramener des touristes, de promouvoir le tourisme là-bas. Vous organisez des dîners pour rapprocher les peuples, les cultures. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, nous, moi déjà, j'ai envie de prouver à la France déjà que l'antisémitisme, il ne vient pas des Arabes, déjà dans un premier temps, qu'on n'a absolument aucun problème avec les Juifs, qu'on voyage en Israël, on n'a absolument aucun souci, mais nos voyages sont d'abord des voyages solidaires. Donc ça, tu contredis M. Ben Soussan qui nous dit que l'antisémitisme, on le tête dans le biberon des Arabes. Voilà, c'est ça. Moi, ça, il peut penser ce qu'il veut, mais on est là pour prouver le contraire. Mais c'est d'abord un tourisme solidaire. Néanmoins, au cours de nos voyages, nous, on est ici pour rencontrer, pour aller vers l'autre. On a organisé, il y a une année, pendant le mois du Ramadan, on a organisé un dîner de rupture du jeûne avec 40 familles palestiniennes et juives. Et franchement, ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs, les familles juives sont arrivées avec des tenues traditionnelles palestiniennes. J'ai trouvé ça très, très beau. On organise en septembre notre premier séjour accompagné d'un rabbin et d'un imam. Donc il y aura des dîners qui vont être faits. J'espère que vous n'avez pas pris Chalgoumi, hein. Non. Non, merci, c'est gentil. Non, ça va, on a mieux quand même en France. Ouais, oui, beaucoup mieux. Mais c'est histoire de découvrir la vieille ville d'Al-Quds avec la version d'un rabbin, la version d'un imam. Mais c'est ça la richesse en fait. Moi personnellement, demain je visite la vieille ville de Jérusalem. Ça me déplairait de voir Jérusalem sans sa population chrétienne. Ça me déplairait de voir Jérusalem sans sa population juive. Tout comme ça me déplairait de voir Jérusalem sans sa population musulmane. Et aujourd'hui, les musulmans de la vieille ville de Jérusalem, ils ont un besoin énorme. Ils font un appel pour que le tourisme arabe se développe, pour qu'on vienne consommer chez eux, pour qu'on vienne manger chez eux, qu'on vienne dormir chez eux, dans leurs hôtels, dans leurs restaurants, acheter des souvenirs. Parce que ces magasins palestiniens, musulmans, c'est vrai qu'ils sont mis de côté parce que le système touristique israélien, bah, les groupes chrétiens vont aller acheter chez les chrétiens et les juifs chez les juifs. Donc finalement, ceux qui sont mis de côté, ce sont les Palestiniens musulmans. Donc si nous, on peut apporter une part de notre... On peut contribuer tout comme on part à la Hambra, on vient prier aussi à l'Aqsa, parce qu'après tout... sous la période des Quraïchites, il y a eu des Hamras qui ont été effectués par le prophète donc, et par la communauté musulmane. Donc pourquoi pas aller prier à l'Aqsa, déjà protéger ce troisième lieu de l'islam. Et on peut également visiter, on peut prier aussi sur le mur des Lamentations. Il est où le problème? Je veux dire, c'est des lieux saints. Il n'y a pas de souci, on va aller prier à l'église du Saint-Sépulcre. Il y a une histoire aussi. Toutes ces histoires-là, elle n'est pas sacrée, elle n'est pas revendiquée en tout cas par ces trois communautés pour rien. C'est que tous ces lieux-là sont sacrés, ils ont un lien entre eux. Ils sont interdépendants, qu'on le veuille ou non. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, Aïcha? Sur les voyages, oui. Pas sur le reste. Oui. Non, mais le reste nous importe peu. Mais on a des projets sympas là-bas. Oui, non, mais d'accord, mais je parle de la vie privée, on s'en fout. Non, moi je parle pas de la vie privée, je parle de... la vie privée, ouais, c'est vrai. Il y a des choses intéressantes. On la préserve. Il y a quoi à part l'association? Tu donnes une conférence, tiens, juste avant de donner les réseaux sociaux? Oui, c'est possible. Bientôt. Je donne une conférence samedi à l'IFILACH, à Colombes, sur la préservation du patrimoine musulman, revalorisation de soi. On sera à Colombes dans un instant avec un candidat au municipal, justement. Voilà, ouais. Patrick Chamovic. Donc, conférence samedi à Colombes. Maintenu, toujours je pense, ouais.
on aura là, je serai confirmée dans 5 minutes. Tu peux donner juste le sujet, s'il te plaît. Oui, c'est préservation. En fait, c'est comment revaloriser sa personne à travers la préservation du patrimoine. Mais on reviendra sur plus de détails au cours de cette conférence. Moi, je voudrais dire une chose aussi, c'est que quand je dis qu'on fait des fermez-moi voyages... Fermez-moi la porte, s'il vous plaît, parce qu'il y a un bruit infernal, ça me perturbe. Bon, allez-y. Quand on organise des voyages solidaires, la solidarité, elle s'exprime pas qu'à travers la consommation locale, mais elle s'exprime aussi, et ça, c'est un appel d'un rabbin, en fait, qui me le dit. Il me dit, mais attendez, quand vous allez en Palestine, allez aider vos frères. Donc, c'est vrai, nous, depuis 4 ans, on finance des micro-projets, des projets, par exemple, en ce moment, on est sur un chantier, on est en train de monter un restaurant, on a monté un food truck, on a monté 2 maisons d'hôtes, on a financé des études pour des étudiants, pour être guide touristique. Donc, tout ce qui a un lien avec le tourisme, on aide les familles à accéder à une espèce d'autonomie financière. D'accord. Parce que l'intérêt, c'est pas que ces familles s'en aillent. Donc on aimerait que ces familles restent chez le elles. Le projet est bon, voilà. En tout cas, hein, Céline, je ne sais pas ce que tu en penses depuis tout à l'heure. Bah ouais, je trouve ça très 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 bien, très très intéressant. S'il y a des personnes qui veulent nous aider, pardon, je t'interromps, j'en profite si j'ai encore peut-être quelques secondes, s'il y a des personnes qui veulent nous aider à nous faire des dons pour financer les projets, qui veulent venir avec nous pour témoigner de ce qu'on finance et de ce qu'on fait. Moi, je veux bien. Mais est-ce que c'est facile de faire un... On a une page Peace and Trip sur Instagram, une page Facebook. Alors on n'affiche pas ce qu'on fait, hein. Par contre tous les projets qu'on finance on le fait pas, mais on transmet les dossiers, les photos, les factures avec toutes les personnes qui financent et qui veulent avoir des informations. Il y a une transparence. Oui, absolument. Il y a des partenariats avec des assos françaises? Non, j'effectue aucun partenariat. En fait, tous les dons qu'on reçoit, ce sont des dons de personnes. D'accord. Privées. Pour ceux qui veulent aller faire du tourisme en Palestine, oui, est-ce on que veut. C'est facile? C'est je veux dire, par rapport à la paperasse. Non, vous avez un passeport européen, il n'y a oui. absolument aucune démarche à entreprendre. Il faut d'accord. simplement s'inscrire, venir avec nous. Une première fois, peut-être avec nous. Une deuxième fois, s'il y a des gens qui veulent voyager seuls, on peut même les aider gratuitement. Même si on est militant palestinien, Aïcha, non, ça peut... Non, alors, par contre, on peut être alors, on peut être militant si on le souhaite, mais on vient pas en Palestine pour militer ou pour organiser des manifestations. Non. Ça va pas servir la cause et ça va. Parce que ici, là-bas, ils surveillent tout. Il parlait d'avoir fiché. Il faut préciser que c'est vraiment des voyages touristiques. Des voyages touristiques. Quel parcours ils font, juste pour donner une idée. Alors les parcours, c'est évidemment quelques jours à Jérusalem, dans la vieille ville. On fait le Mont des Oliviers. On va à Jaffa aussi, à Saint-Jean-d'Acre, à Haïfa. On peut également, on va évidemment à Hébron parce qu'il y a le temple des patriarches là-bas. Il y a Bethléem, il y a Jéricho qui est la ville la plus basse au monde et l'une des villes les plus vieille au monde, puisqu'elle a presque plus de 10 000 ans. On va à Nazareth ? Oui, aussi. Ouais. Il y a un très vieux village chrétien qui a plus de 2000 ans, qui a été conservé tel quel et qui est toujours animé, qui est extraordinaire. C'est là qu'est né Sinaïssa, paraît-il. Non, il dit non apparemment. Okay. Il est, l'annonce à Mariam a été faite à Nazareth, mais lui est né, serait né en tout cas à Bethléem. À Bethléem, oui, exact, pardon, autant pour moi. Mais ça coûte cher, ça ? Un voyage comme ça ? Alors, la Palestine coûte cher, Israël aussi. Ouais. C'est pas des pays, c'est pas le bled, hein. C'est pas la Tunisie ou le Maroc. C'est le même niveau de vie à Jérusalem, on est au même niveau de vie qu'à Paris. Donc, un voyage de 10 jours, tout compris, on parle des billets avec l'hébergement, les transports et les guides, les entrées, les repas, on est à peu près à 1700 euros. Par personne ? Pour combien de jours ? Tout compris. D'accord. Non, mais quand je disais militant, Aïcha, c'est quelqu'un qui milite depuis de nombreuses années pour la Palestine. Est-ce que ça peut avoir des... Non, ça n'a pas d'impact. Poser des problématiques pour entrer sur le territoire là-bas. Non, ça n'a pas d'impact. Par contre, si vous êtes officiellement membre de BDS, oui, c'est sûr que vous passez. D'accord, ok, voilà, autant c'est dit. Bon, eh bien, merci beaucoup en tout cas, Aïcha, d'être venue ici nous parler de cette belle initiative. On rappelle donc sur les réseaux sociaux, on peut suivre l'association, l'activité, éventuellement s'inscrire, participer, aider aussi. Oui. C'est... Peace and Trip. Peace and Trip, c'est pas que moi au passage. Hein. Ouais. On est une grosse équipe de Tunisiens aussi, puisqu'on a Mejdi qui est avec nous, on a Asma qui est là, on a une équipe en Tunisie, on a une équipe également en Palestine, et on a une autre personne, une Algérienne, ta compatriote. Elle veut pas que je dise son nom, mais je vais juste donner un petit indice, parce qu'elle veut pas être citée. Son prénom commence par ça et finit par Dia. Et on va pas dire qui c'est. Ça dire. Elle va m'en vouloir. Bon, tant pis, on l'embrasse en tout cas. Merci toute beaucoup Aïcha Adari en tout cas d'être venue ici sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum dans le cadre des rendez-vous d'Anna. Ma chère Anna, demain, tu reviens. Oui, absolument, avec plaisir. Demain 17h, encore une histoire passionnante, un fait divers. Une dame qui s'appelle Inès aussi, mais toute une autre histoire, restez avec nous. Bien sûr. Et merci à ceux qui ont suivi le live sur la page de Christophe, le Grand Forum. Merci Anna, je t'embrasse, à demain. Aïcha, merci beaucoup, à très vite. On se reverra certainement en Palestine. Oui. Avec plaisir, hein, avec Céline. Ouais. Voilà.
Mais Céline, elle emmène beaucoup de bagages, justement. Il faudra peut-être lui expliquer qu'il ne faut pas emmener beaucoup de bagages. Mais non, moi, je voyage léger. Bon, très bien. Allez, dans un instant, on file à Colombes, justement. À l'Isra, Isha Adari, à Colombes, samedi, pour une conférence. Nous, on va dans le cadre des municipales. Patrick... Ah non, j'ai perdu son nom. Super, c'est super bien, ça commence. Céline, aide-moi, s'il te plaît. Donc, elle sera dans un instant. Il sera avec nous, candidat au municipal à Colombes. Si on prend ce bagage 2 dans le Grand Forum, c'est du direct. Allez, restez avec nous, tout va bien. Après, je voulais simplement remercier tout le monde, quelle que soit l'opinion que vous avez, parce que c'est un sujet qui partage, qui divise. Il y a beaucoup de personnes qui sont pour, il y a beaucoup de personnes qui sont contre. Je voulais simplement dire que soutenir la cause palestinienne, elle peut se faire de différentes façons. La mienne, elle vaut, et la vôtre aussi. Il faut juste fédérer en fait ces forces-là. Et vivre dans le respect des religions, le respect de l'autre. Ne faites aucune confusion. Dans l'empathie. Soyez, différents de ce qu'on dit de vous dans les médias. Voilà. Merci beaucoup. Allez, à bientôt.